Bah ça y est, on est dans le Jura pour le deuxième épisode de la série Un spot presque parfait. Je vais leur faire découvrir un de mes trails préférés, un trail bien varié, des belles forêts pour moi. Et puis après, des trails un peu plus techniques dans le glissant sur dans la caillasse du Jura, comme ils appellent ça, les glaçons blancs. Sois gentil gamin avec moi. Donc j'espère que les conditions vont être au top et à mon avis on va faire des belles images. Aujourd'hui j'ai choisi le maillot blanc, pour la terre du Jura c'est un peu optimiste quoi. Hey, t'as vu comme c'est beau Rem là ? Putain, je crois que c'est très beau Joël. Bon là il met des points parce que je m'attendais à un vieux vin pour Rave du Jura et non. Le vin c'est pas mal, excellent, la petite fondue, la salade du jardin. Avec des pinces oreilles. Il y a des pinces oreilles dedans mais... Authenticité, simplicité, efficacité. Bah, du coup pour ce deuxième épisode d'un spot presque parfait chez FBM dans le Jura. Un accueil plutôt chaleureux, on nous a vraiment bien reçus. Petite shuttle. Un repas au top, une belle fondue. Heureusement qu'il y avait sa femme. Je vais lui mettre un 9. Je lui mets un 9. Pour les paysages du Jura, c'était pas mal. Après, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais... D'abord, je suis pas fan de tous ces cailloux blancs du calcaire, mais il y a eu quand même des beaux paysages, des belles cascades. Des belles couleurs, une belle forêt. Les bijoux du Jura, alors ce sera 8. Je lui remets 9. J'aurais pu mettre un peu bonus pour les algues sur les arbres, si j'ai jamais vu ça. Ben, pour le terrain... Malheureusement, la terre du Jura, elle part quand même avec un mauvais point. Parce que tu sais jamais combien de temps tu vas rester sur le vélo. Je vais pas être super sympa, je vais te mettre un 6 parce que c'est vrai que j'avais tout le temps peur. Toute la journée, j'ai eu peur de tomber, donc la terre, elle... Mais honnêtement, aujourd'hui, on a eu les primes conditions avec la petite pluie avant, ça a séché derrière, donc c'était quand même pas mal. Donc ce sera 7. Pour la qualité du trail, j'ai trouvé ça plutôt beau. C'était varié, flowy, il y avait des jumps, il y avait des virages relevés, il y avait du tech ultra complet, la spéciale enduro parfaite. Ouais, c'était bon, donc 9. Mettre un 10. Oh. C'était vraiment cool de découvrir le Jura et des spots différents de chez moi. Et j'ai hâte de voir ce que nous propose Rémi Absalon dans les Vosges.